pitié pour les croissants. Bonjour les petits enfants. Bah pourquoi tu restes debout, Charlie? Je comprends pas. Mais tu sais bien que le médecin m'a prescrit un régime sans sel pour ma cellulite. Mais je comprends pas, je... Mais je viens au studio en vélo. Bah oui. Et le vélo sans sel, eh bien c'est horrible. Ah bon. Dorothée Dimanche, ça pense. Mademoiselle? Madame? Ah, mademoiselle, je suis Miss Ariane. Et je veux voir l'inspecteur Andy Friend tout de suite. Mais c'est pour sa photo que je veux voir, c'est lui. Je veux le voir en chair et en os. Je veux lui parler. Mais bien sûr, madame, asseyez-vous. Il ne va pas tarder, il est avec son adjoint Pat en pleine filature. Asseyez-vous. Dites-moi, boss, vous êtes bien sûr que ce soit indispensable, ça? La première règle pour un bon détective privé, c'est la filature. Ah bon? Alors tais-toi et écarte bien les mains. D'accord, boss. Pas de pitié pour les croissants, ouais! Dis, ça te plaît, toi? Non, et toi? Bon. Moi non plus. Non. Avec Patrick, jamais de hic. Jamais de hic. Jamais de hic. Oh, Monsieur Friend. Bonjour, Miss Dorothy. Alors, quoi de neuf? Est-ce que votre filature s'est bien passée? Oh, très bien, très bien. Mais est-ce qu'il y a des messages? Écoutez, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Il y a... le boucher qui réclame sa facture, le boulanger qui réclame sa facture, le charcutier qui réclame sa facture. Le poissonnier, il n'a pas appelé? Non. Très bien. Alors, vous achèterez du poisson demain. Bien, monsieur Andy Friend. Oh, j'oubliais. Il y a cette dame qui vous attend depuis ce matin. Vous êtes sûr qu'on ne lui doit pas d'argent? Non, je parle avec elle, non. Elle veut vous voir pour une enquête. Une enquête? Oui. Pat, allez donc me réveiller cette poupée. Ok, basse. Ah, monsieur Andy Friend, il n'y a que vous qui puissiez me sauver. Très bien. Alors, ma biche, expliquez-moi tout. Eh bien... Allô? Pas de pitié pour les croissants. Est-ce que vous aimez l'amour? Oui! Alors vous aimez aimer? Oui! Et si vous aimez aimer? Oui! Alors vous aimez chanter? Tout se brise, sauf l'amour, tout explose, sauf l'amour, il n'y a que l'amour qui reste toujours l'amour. Avec la fille du boucher, j'avais pris rendez-vous à 8h30 sonner pour aller manger un bout. À 11h quand elle est arrivée, j'ai fait remarquer, t'es même plus 13 en retard, t'es 14 en retard. Tout augmente, sauf l'amour, tout se brise. Cool, Roger, cool. Ouais. Allez, on y va, là. Ouais. Avant, chez Blanche-Neige, il y avait les sept nains. Maintenant, ils sont 13. Jeu de nains, jeu de vilain. On m'amène raconter que Monsieur Walt Disney maintenant se faisait appeler Monsieur Walt Disney. Tout augmente, sauf l'amour. Tout se brise, sauf l'amour.
vous a plu? Ouais. Alors, on continue. Ouais. J'étais chez mon percepteur hier matin à 11h. À midi moins le quart, on est descendu au bar. En parlant de mes impôts, j'ai offert un pot. Et quand j'ai payé mon tiers, il m'a offert un demi. Tout augmente, sauf l'amour. Tout se brise, sauf l'amour. Tout explose, sauf l'amour. Il n'y a que l'amour qui reste toujours l'amour. Tout augmente, sauf l'amour. Tout se brise. Avec nous, c'est fou. Alors vous voulez dire que c'est Black Jackie qui veut vous dépouiller de votre fortune ancestrale? Exactement. Oh là là là. Et il a profité de ma passion pour le jeu pour me faire signer ce papier. Non. Mais je suis sûre que la roulette était truquée. Oh là là, qu'est-ce que tu en penses, Pat? J'en pense, boss, que ce serait de la folie de s'attaquer à Black Jackie. Vous savez ce qu'il fait à tous ceux qui se mettent en travers de son chemin? Eh bien, il leur coule les pieds dans les blocs de béton. Et en plus, il les force à regarder les programmes jeunesse d'une autre chaîne. Oh, tu devrais pas lui dire des trucs comme ça, enfin! Regarde maintenant comment elle est. Allez, va la réveiller. D'accord, boss. Oh! Oh! Excusez-moi, oh. Miss Dorothée, je savais pas que vous étiez si sensible. Oui. Et je suis toujours là. Oui. Et j'attends votre réponse. Eh bien, ma réponse est non. Voilà, c'est non, c'est catégorique, voilà. Je voulais dire oui. Au fait, patron, ça fait plus de 3 mois que j'ai pas été payé. Je vous en donne un. Ça fait 4 mois que j'ai pas été payé, patron. Je vous en donne 2, voilà, 2 petits, voilà, c'est tout. Voilà. Il y en a plus. Pas de pitié pour les croissants. Bonjour, c'est moi, je suis le prince charmant, voici la princesse. Je vais l'embrasser, vous allez voir, elle va se réveiller. Attention, 1, 2, 3, et hop! Et voilà! Je sais que ça. Je me présente, le prince charmant. C'est moi. Ça, prince charmant? Allô? Oui, monsieur? Oui, monsieur, oui, d'accord. Oui, monsieur, oui. C'est qui? C'est le directeur de la 8, il nous engage. Ah bon? Oui, c'est sûr. Oui, puisque je te le dis, c'est presque fait. Je connaissais le voisin de ma tante qui connaissait le cousin de mon arrière-grand-mère qui l'a dit et je l'ai rappelé. Voilà. Ah bon? Et oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je vous engage à rester chez vous. Ariane? J'en suis fan. Tout augmente, sauf l'amour, tout se brise, sauf l'amour. Ah, McCorbey, où êtes-vous? Je suis là, monsieur Black Jackie, je suis là. Passez mon peignoir, McCorbey. Oui. Faut que j'aille à mon rendez-vous. Avec plaisir, monsieur. Allez-y, je vais être en retard sinon, moi. Voilà. Voilà. Bah oui, quoi, c'est du liquide, hein? Attention, ne touche pas ça, c'est chaud, hein. Ne joue pas à ce petit jeu-là avec moi, imbécile! Oh! Hé, ça va pas la tête, mon ketchup? Leve-la, ton ketchup! Je vous ai déjà dit de pas utiliser ça, qu'enfin. Non, arrêtez tout, c'est pas possible. Il y a assez de violence à la télévision comme ça. Alors, on recommence la scène et vous coupez!